Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 40, psaume chapitre 40, du premier verset au 11e verset. Nous lisons la parole du Seigneur, psaume 40. Nous lisons la parole du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens. Dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère. Garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Oh oui, soit célébré encore aujourd'hui, mon Père, qu'il soit béni. Nous rendons gloire à ton nom, à toi qui es le majestueux, mon sauveur, toi qui donnes le souffle, Père tubissant, à chaque être sur cette terre. Tout ce que nous avons ne vient que de toi, ô notre Dieu. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin, mon sauveur. C'est lui qui inspire les chants des cantiques, mon bien-aimé, Père tubissant, pendant notre couche, mon sauveur. Tu es le Dieu qui nous a accordé aussi la joie de voir nous rassembler en cet endroit, pour élever nos voix devant ton trône de grâce, mon Père Saint, pour chanter la gloire de ton Saint-Nom, mon Père. Tu as vaincu, tu as accompli, Père tubissant, de merveilles qu'aucun ne pouvait arriver à pouvoir accomplir, Seigneur. Tu es le seul que nous aimons, Père, le seul que nous désirons davantage, mon Roi. C'est pourquoi encore ce soir, nous sommes venus avec autant d'amour, autant de joie, Père tubissant, dans ta maison, à toi, Père. Avec l'allégresse, nous avons chanté encore ce soir. Nous te remercions vraiment parce que tu as répondu aussi à nos prières, Père. Tu es descendu pour pouvoir nous consoler, mon Père Saint. Merci d'avoir fortifié mon précieux frère, Seigneur. C'est ton
enfants que tu as fortifiés, Père. Tu dois nous. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit encore. Mon âme te loue et te glorifie encore pour tes merveilles, Père Saint, pour ce que toi tu fais, Seigneur. Nous sommes heureux de voir tes merveilles, Père Tibissant, mais de nous, Père Tibissant, ta main puissante agir encore aujourd'hui, Père Dieu, démontrant et témoignant que tu es vraiment l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous consentons à pouvoir nous laisser tondre par toi, être enseigné, être instruit par toi, mon sauveur bien-aimé, Père Tibissant. Nous pensons à tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont aussi en connexion ce soir dans différents endroits, différents pays, Seigneur, qui sont aussi bénis, nourris par toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, parce que nous voulons marcher ensemble, Père, pour te voir ce jour-là quand tu viendras. Sois béni et glorifié encore pour chaque antique, Père Tibissant, pour chaque témoignage, pour chaque chant, pour ce qui a été accompli encore bien aujourd'hui, encore, Père, car nous t'avons ainsi prié, ainsi demandé cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Chaque jour qui passe, nous comptons sur la grâce de notre Dieu et nous lui implorons aussi les secours et les soutiens parce qu'il nous a fait part effectivement qu'il est un refuge, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque nous invoquons le Seigneur, nous devons avoir l'assurance que le Seigneur entend et qu'il exauce effectivement nos prières. Le Seigneur, notre Dieu, est celui qui nous a dit dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai aussi trouver par vous. Nous devons avoir cette confiance dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas sourd. Il est vraiment un Dieu qui a des oreilles, parce que s'il nous a donné des oreilles, c'est parce que lui aussi les oreilles pour entendre. Et quand nous demandons quelque chose de tout notre cœur, même si nous ne le voyons pas, effectivement, à l'instant même, mais nous devons avoir l'assurance que si nous avons demandé quelque chose selon sa volonté, c'est que le Seigneur a entendu. Et nous devons avoir cette paix au plus profond de notre cœur, sachant que s'il a vraiment entendu, alors même si ça prend un an ou deux ans, nous sommes sûrs et certains que ce que nous avons demandé à notre Dieu, il va certainement l'accomplir. Ce que Dieu veut aussi avec son peuple, c'est de lui apprendre à pouvoir davantage savoir comment marcher avec lui pour lui plaire effectivement. Ce n'est pas à Dieu à nous plaire, c'est à nous de plaire à Dieu. Ce que nous devons chercher à pouvoir davantage nous conformer effectivement aussi à sa pleine volonté. Nous avons eu à pouvoir l'entendre dans les psaumes que notre précieux frère nous a lus effectivement ici, les psaumes 40. C'est toujours très touchant quand la parole de Dieu nous est lue. Et il dit effectivement, je pense que ce verset ici, je crois que c'est verset 7. Même tu peux commencer à partir du verset 6, je pense, je voudrais quand même le lire effectivement dans la version que nous avons ici, psaume 40, c'est là, oui, le verset 6, il nous dit ceci, il nous dit, « Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. » C'est quand même merveilleux, non? De pouvoir voir qu'effectivement, que les desseins que Dieu a eu à pouvoir concevoir d'avance, effectivement, il l'a fait effectivement aussi pour notre bien. En fait, nous étions inclus dans ce dessein. De manière à ce que nous puissions vraiment avoir cette assurance lorsque nous marchons, que jamais, jamais le Seigneur, notre Dieu, ne peut planifier quelque chose de mauvais pour un fils qui lui appartient. Ça, c'est quelque chose que nous devons être vraiment sûrs et certains. N'attribuez jamais la douleur, le malheur, le problème, effectivement, que vous avez à Dieu. Non, parce que la Bible nous le fait savoir que le projet que le Seigneur a formé vraiment pour nous, jamais ça peut être des projets de malheur. C'est toujours des projets de bonheur. Pour quelle raison d'abord? Parce que vous, en tant que fils de Dieu, votre désir a toujours été de satisfaire Dieu. Parce que quand on est de Dieu, effectivement, on appartient à Dieu. L'Écriture même le fait savoir, je pense, dans les livres d'un Jean, chapitre 3, il dit, mais tout ce qui est né de Dieu, c'est là déjà la chose qu'on doit réellement comprendre. Si déjà on peut s'asseoir ici pour pouvoir louer son nom, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et qu'en retour, quand je peux voir mes sœurs danser, sauter ici, ils dansent pas pour le plaisir de quelqu'un, c'est parce qu'ils ont la reconnaissance de ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de quelque chose de la part du Seigneur. Les enlever de Dieu, c'est pas possible. Parce qu'ils l'ont déjà goûté à ces dieux. Ils peuvent avoir des problèmes dans la marche, effectivement, mais ils savent une chose, que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Cette assurance-là, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de l'Esprit de Dieu
qui convainc aussi notre esprit que notre Dieu est vivant. Et là, regardez bien, dans Jean, il nous dit ceci, hein, dans Jean au chapitre 3, nous montrons cela pour que nous puissions être fortifiés dans la marche que nous avons au jour le jour avec le Seigneur. Jamais baisser les bras devant une épreuve ou quoi que ce soit, parce que comme nous le chantons de tout notre cœur, l'épreuve aura. Merci. Nous sommes heureux parce que ça ne sera pas tous les jours, mais il y a un temps pour toutes choses. Il a déterminé un temps pour tout, même pour ton épreuve, même si ça semble durer des années. Alléluia! Ça va s'arrêter un jour. Parce que c'est la loi de notre Dieu. Même quand tu as perdu tout, il a donné la loi de la rédemption. Donc effectivement, il y a un temps pour toutes choses. 1 Jean chapitre 3, il nous dit ceci. Verset 1, il nous dit, « Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » J'aime cela, frère, ça doit être le bonheur de notre cœur, de pouvoir voir ce que Dieu nous montre, effectivement, ce qu'il exprime à notre endroit, pour que nous puissions être vraiment conscients qu'en fait, que nous ne marchons pas comme des gens qui ne savent pas où ils vont, comme des gens qui ne savent pas réellement, effectivement, ce qu'ils font, mais nous avons cette assurance de ce que Dieu a eu à pouvoir se révéler aussi à nous, en fait. Elle lui dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, voyez-vous, donc ça dit que nous ne doutons pas. Nous ne sommes pas dans l'incertitude. Non, 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 c'est... Dans chaque enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, vous savez, parfois, on ne fait pas attention, mais... Le Seigneur a toujours placé quelque chose au-dedans de tout un chacun de nous, de tous ceux qui lui appartiennent, parce que on ne peut pas naître de Dieu sans avoir quelque chose de Dieu en soi. Donc, ce qui fait que, même sur le chemin, même quand tu ne vois pas tellement très bien, il y a comme une boussole au-dedans de toi. C'est celle-là qui te conduit, en fait, sans que tu comprennes. C'est pour ça qu'il dit, celui qui conduit les pas du juste, c'est l'Éternel. Nous devons lui faire confiance. Nous avons un Père qui connaît toutes choses, effectivement. Alors, il dit, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et ça, c'est sans l'ombre d'un doute. C'est que nous avons cette certitude. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous nous accrochons au Seigneur. Pourquoi il fait que nous ne voulons pas des choses qui sont frelatées, mélangées. Nous voulons la chose juste. Nous voulons celle qui nous amène à la présence du Seigneur, qui fait que nous soyons semblables à lui. Nous sommes appelés à être semblables à lui. Donc chaque jour que toi et moi nous marchons sur la terre, il dit, Seigneur, nous attendons ce que tu as eu à pouvoir nous dire dans ta parole. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas censés pouvoir ressembler, ni ressembler à moi-même, ni m'identifier à mon caractère, à ma façon. Non, tout ce que moi je suis, ce sont des choses que j'ai vomies. Parce que moi, je n'ai pas de valeur. Il n'y a rien de bon dans ma personnalité. Qu'est-ce que j'ai à faire à chercher ma personnalité? Puisque ces choses-là ne m'apporteront jamais rien. D'abord, qu'est-ce que c'est que ma personnalité? Ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est d'avoir ta nature. C'est pour ça l'apôtre Paul veut dire, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien, un fils de Dieu, ne peut pas vivre en fait selon en fait la manière dont le monde donne en fait des théories, de pouvoir apprendre la bonne manière de vivre sur cette terre. Je n'ai pas dit non plus qu'on devient comme des cochons. C'est dit qu'effectivement que un fils de Dieu, mais si, écoutez frère, ça c'est important, c'est pour ça que vous devez comprendre. S'il y a quelqu'un qui doit être propre dans le monde, c'était un fils de Dieu. Non, un fils de Dieu ne peut pas être sale. Non, s'il y a quelqu'un qui doit être propre, eh bien, c'est un fils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit être ordonné, mais bien sûr que c'est un fils de Dieu. Dieu n'est pas désordonné. Non, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que nous devons apprendre beaucoup de choses. Nous devons apprendre à être ordonnés. Apprendre à être propre. C'est notre nature. Parce que nous ne sommes pas des cochons, frère. Nous ne sommes pas des chiens, quand même. On est des fils. Je ne vous entends pas très bien là-dessus. On est des fils de Dieu. Sœur, frère, soyez ordonnés chez vous. Ma soeur, soyez propre. Un fils de Dieu est propre, une fille de Dieu est propre. Alors, soyons propres au maximum. Soyons ordonnés au maximum. Parce que c'est cela ce que nous sommes censés être. Parce qu'un fils de Dieu, c'est toujours le superlatif. Notre Père a dit ceci, que nous serons toujours
Et jamais. Et voilà. Alors pourquoi tu veux t'effondrer dans les saletés? Non, si d'être la tête, c'est propre. Quand on te regarde, il dit il est propre. Amen. Ah, bien sûr, mon frère, ordonné, on te regarde, il est ordonné. C'est ça, un fils de Dieu. Et Seigneur, nous, nous ne pouvons pas être comparés aux autres, effectivement. Non. Nous, on doit arriver à pouvoir être, quand vous passez, on dit, celui-ci, c'est vraiment un fils de Dieu. Dans sa façon de pouvoir faire les choses, dans sa manière de pouvoir se tenir, effectivement. C'est parce qu'il faut que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Je ne fais pas des choses pour moi. Mais j'ai fait que les choses parce que je veux que celui qui est avec moi soit glorifié. Amen. Je ne veux pas qu'on dise, oui, et ce sont des questions des chrétiens, mais regarde comment ils vivent comme des cochons. Et vous savez, ce sont des chrétiens, oh, je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous sommes en train de pouvoir faire. Mon frère et ma sœur, pourquoi un païen doit être plus propre que toi? Pourquoi un païen doit être plus ordonné que toi, mon frère et ma sœur? Chez toi, il faut que quand quelqu'un rentre, il sent. Ici, on voit que Dieu a instruit ses enfants. Bien sûr. Bien sûr, mon frère et ma sœur. Non, les saletés, les désordres, c'est avec les diables, les démons. On n'en a pas besoin d'avoir cela. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être propre, ordonné. Alors, quand on dit propre, c'est propre. Ordonné, on dit on est ordonné. Seigneur, si j'étais désordonné, aide-moi. Je vais devenir ordonné. Ce qui est saleté dehors, ce qui est propre là, ordonné. Seigneur, si j'étais pas bien, je vais être trop propre. Il faut ça, frère. On doit. Pourquoi être désordonné? Pourquoi être mal propre? C'est pas possible. Je sais pas pourquoi vous dites. Vous ne pouvez pas dire le frère, je ne sais pas pourquoi je suis là-dedans. C'est vrai, frère, moi j'étais en train de lire avec vous. J'étais d'ailleurs en train de lire dans un genre. Ne m'en voulez pas, j'en sais rien moi. Mais il ne faut pas m'en vouloir, non. Non, frères et sœurs. Les saletés, les désordres, tout ça, ça ne peut pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Non. Les démons nous ont trompés à nous mettre. Nous ne sommes pas des gens sales. Si vous voulez voir vraiment comment les démons jouent à des... Allez chez les Indiens. Il y en a des religions qui disent qu'il ne faut pas se laver. Il y en a un monsieur, ça fait 70 ans qu'il ne s'est pas lavé. Je connais, cela fait timbre. Ils vivent avec des rats, c'est parce qu'on ne peut pas tuer les rats. Donc tout ça. Mais ça, ça n'a rien. Un fils de Dieu, ce n'est pas être comme ça. La nature d'un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous apprend à être propre. Nous apprend à pouvoir nous habiller. Bien sûr que oui. Nous revenons ici, dans Jean au chapitre 3. Alors, il dit, mais nous serons semblables à lui. Ça, c'est quelque chose qui doit être inhérent dans notre âme, frère et soeur. Parce qu'il est saint, il est pur. Il y a une chose parfois que les gens se disent, mais oui, mais je ne pourrais pas être, est-ce que personne ne peut être saint ou parfait sur cette terre? On me dit, mais c'est impossible, c'est le langage qu'on tient, non? C'est impossible qu'un homme soit parfait sur cette terre. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Avec notre Dieu, il ne se trompe jamais. Amen. Il a dit, soyez parfait. Ah non, je sais que je serai parfait. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur, soyez parfait. Comme votre présence est parfait. Alors, si Dieu m'appelait à être parfait, je ne vais pas toujours prendre le prétexte, oh, on ne peut pas être parfait. Non, 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 non. On est censé pouvoir être parfait. Mais on nous dit que nous serons donc semblables à lui. C'est cela ce que nous entendons dans la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu. Le problème, c'est que quand nous nous laissons effectivement passer ce que Dieu nous donne effectivement. Parce qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, notre Père Céleste a toujours quelque chose pour pouvoir te donner. Qui va faire que quand tu quitteras ici, il y a quelque chose de plus que tu as. Tu ne seras pas la même chose que tu étais hier. Par exemple, aujourd'hui, il nous a parlé de l'ordre. La propriété. Donc, quand je sors ici, je vérifie mon bureau. Ah oui, tout le papier qui était un peu... Oui, je dois vérifier. Est-ce qu'il nous parle tous? À
je pars, je dis, il y avait trop des amalgames ici. Maintenant, ordre. Et là, oui, partout où je passe, je dois vérifier est-ce que les choses sont en ordre. Mais si tu sors ici, on trouve les blessés, il y a un problème. C'est que tu n'as pas entendu, ou bien tu n'as rien à voir avec Dieu. Non, le Seigneur nous instruit parce qu'il veut qu'on soit un témoignage sur la terre. Il a dit, vous serez mes témoins. Mais quand on vous voit, on ne peut pas vous dire, mais ils vivent comme... Non. Ils ne vivent pas comme des cochons ou ceci, cela. Ils vivent comme des fils de Dieu. C'est comme des... Quand tu les vois, c'est comme des princes. Frères et sœurs, ce côté-là, nous devons faire un effort. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas vivre comme des chiens. Comme des cochons, non, c'est pas possible. Il faut qu'on redevienne comme des fils et des filles de Dieu. Il faut que quand on vous regarde, on vous raconte une activité, ah non, là en tout cas, c'est pas. Non, faut jamais laisser les démons avoir les dessus sur vous. Mais c'est vous qui devez avoir les dessus sur toute chose, parce que Dieu nous a demandé de dominer sur tout. Donc quand on sort, on vérifie. S'il y a des désordres, on met de l'ordre. Ça, c'est au peuple de Dieu. Il s'agit de fils de Dieu parce que Dieu veut que ses enfants soient honorés et respectés par tous ceux qui sont autour, effectivement. Parce que d'où est-ce que le monde pourrait avoir un exemple? Parce qu'ils sont, ils sont dans les ténèbres. Vous avez la lumière. Où est-ce que les femmes, les hommes peuvent arriver à prendre à voir si bien s'habiller? C'est pas vous que vous suivez des modèles d'hommes, quelqu'un qui est fou comme ça, fait sortir des bazars comme ça. Non, c'est vous, parce que vous êtes. Mais c'est la vérité. Les modélistes sont des personnes qui sont malades mentales. Vous allez suivre des fous, des gens inspirés par des démons. Toi, Dieu t'inspire. Tu te tiens, il te regarde. Oh, en tout cas, les copies qui, mais ils vous voient. Parce que vous êtes la lumière. Et étant la lumière, un exemple. Péché, on ne peut pas entendre toi avec ton voisin, vous mettez debout avec ton mari là-bas. Jamais. Les voisins doivent prendre un exemple chez toi. Vous voyez, quand Jacobine et Joseph, Jacob, quel nom je peux prendre, je tombe sur toi. Quand Jonas sort avec, comment ça s'appelle? Vous voyez comment ils sont. Oh, ça donne envie d'être amoureux. Oh, tu n'entendras jamais un béni. Je te l'aime, je te fais. Non, il y en a. Est-ce que je peux faire la plante? Est-ce que je peux avoir des repos les courses? Je vous ai déjà raconté cela. Je vous ai raconté quelque chose comme ça. Bon, je vous le raconte. C'est ce soir on va prier. Hein? Soyez à l'aise. On va pas rester longtemps. Et alors voilà, il y avait un couple et qui habitait quelque part dans un pays là-bas. C'est là que m'a fait parler cela aussi. Alors juste à côté d'eux, il y avait une dame, mais vraiment une dame riche parce qu'elle avait des commerces effectivement. Elle avait des moyens, tout ça, beaucoup d'argent ainsi effectivement. Mais cette dame-là n'était pas mariée. Juste à côté de chez eux, effectivement, il y avait donc un couple, mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Le monsieur travaillait et la femme restait donc à la maison pour garder les enfants. Le matin, parce que la dame qui avait de moyens, c'était à sa maison, et puis il entend, parce que bon, la maison se communiquait. Alors, ce couple-là, la femme s'appelait Madeleine et le mari s'appelait Rigobert. Alors, le matin, comme ça, il y a... Rigobert qui se lève le matin, et puis sa femme aussi se lève aussi, Madeleine, et elle dit, Rigobert, celle-là, entendez, Rigobert qui dit, oui chérie, qui a-t-il, j'ai besoin de 10 euros ou de 20 euros pour aller faire des courses pour les enfants. Alors Rigobert ouvre son portefeuille, il te dit, ah merci, et il est parti. Le lendemain aussi, deux jours, trois jours après, il dit, Rigobert, qu'y a-t-il, chérie? Et voilà, j'ai besoin de 15 euros parce qu'il faut acheter les sacs de riz. Encore, effectivement, c'est dit, il n'y a pas de problème. Et Rigobert, il donne, effectivement, Rigobert part. Et puis, quand elle reste à la maison, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là? Tout le temps, la femme ici à côté entend. Puis, à ce il dit, elle, quand elle a besoin de l'argent, elle demande à Rigobert. Rigobert, bon plaisir de pouvoir donner. On sent qu'ils sont vraiment en harmonie. Moi ici, j'ai de l'argent. Je n'ai personne à demander. Si j'ai besoin, je parle, je prends, je vais acheter, effectivement. Il dit qu'elle s'est dit, mais il me manque un Rigobert.
Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Il me manque un rigobert ici. Il dit, tout ce qui ici, j'ai tout ça, mais il me manque un rigobert. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que il y a un monsieur, il a dit, écoute, moi ici, moi je t'aime. Et puis le monsieur, il a regardé la maison, il a regardé bien. La réponse est tarde pas. Il dit, moi aussi, je t'aime. Mais en fait, il n'aimait pas la femme, mais les biens. Mais puisque la femme, elle avait besoin d'un rigobert. Et puis il dit, bon, comme toi tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes aussi. Il dit, oh, je suis d'accord, je t'aime bien. Et on va vivre ça. Il dit, mais écoute, maintenant je vais te demander une chose. Voilà, toi tu es mon mari, moi je suis ta femme. Voilà. Alors, le monsieur était à la maison. Et puis elle s'élève le matin, la femme qui avait beaucoup de moyens. Elle dit, Gaspard dit oui, mais j'ai besoin de 20 euros pour aller acheter le riz. Donc Gaspard a regardé, mais les 20 euros, il les a. Mais comme la nature de pardonnez-moi. Eh bien, Gaspard est entré dans le jeu. Mais c'est sérieux. Et Gaspard dit, ah, il prend les 20 euros, il donne. Donc, ce qui s'est passé chez l'autre, ça donnait aussi la soif que la nature de la femme s'est réveillée en elle. Elle a trouvé que ce n'est pas normal qu'une femme, je puisse être sans mari, sans, avec tout cet argent ici, ce n'est pas la nature d'une femme. Il faut que je puisse avoir un homme auquel je me soumets. Et ça, ça fait les bonheurs. En fait, la nature d'une femme, c'est comme cela. Avoir un homme qui prend soin, qui se soucie, c'est comme ça qu'une femme, en fait. Ouais, c'est cette manière-là, effectivement. C'est même si... Non, elle a besoin d'un Gaspard. Quand tu vois même, si tu vois les ministres des camps, des anciens combattants, toi, tu as été combattant de camp. Elle a besoin de Gaspard. Non, mais tout ça, ce sont des choses qui sont vraies. Donc, il faut qu'on comprenne que ce que Dieu a fait de nous, on doit accepter ce que le Seigneur a fait. Donc, c'est donc, gloire à Dieu. Alors, nous continuons, nous terminons et puis nous allons prier. Il dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi et les péchés et la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui. Merci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est. C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc nous comprenons maintenant ce bonheur que Dieu a fait de nous. C'est que lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons qu'aimer Dieu. Nous, on ne peut jamais arriver à pouvoir savoir se détacher de ces dieux. Plutôt, on cherche voilà, s'attacher encore. Voilà pourquoi quand nous prions, quand nous chantons, quand nous glorifions Dieu, c'est parce qu'en fait, Dieu a fait quelque chose dans notre cœur, dans notre âme. Et ce que nous désirons, c'est que chaque jour, cet amour de Dieu augmente de plus en plus dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qu'il a placé en nous qui fait que un jour, nous serons semblables à lui. Tel il est, n'oubliez jamais, tel il est, c'est comme cela que Dieu t'a destiné à être comme lui, il est. Voilà pourquoi ça pousse dans ton cœur de pouvoir l'aimer, malgré les difficultés. Tu dis, Seigneur, parce que, deuxièmement, je termine par là, puis on va prier, les psaumes que nous avons entendus, regardez ce qu'il nous dit. Psaume 40, nous retournons là-dedans. Il nous dit une chose ici, voilà, hein, c'est tranquille. Ah,
Mais c'est ceci dit, mais tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, n'est-ce pas? Je voudrais le publier et le proclamer. Quand Dieu a fait vraiment quelque chose au-dedans de toi, ce n'est pas que tu te sens obligé, non. La joie et l'allégresse, il dit, le Seigneur, il me connaît, il a fait ça. Il dit, mais venez écouter ce que le Seigneur a fait à mon âme. Donc je témoigne parce qu'effectivement que c'est l'allégresse dans mon cœur de réaliser que le Seigneur a eu à pouvoir faire cela à quelqu'un comme moi. Donc si le Seigneur le fait pour moi, c'est qu'il est aussi capable de pouvoir le faire. Vous savez souvent ce qui se passe, c'est quoi? Quand on rend témoignage, effectivement, on n'a pas la pensée de pouvoir dire, mais je l'ai dit comme ça pour que les autres qui sont là-bas prennent courage. En fait, on rend témoignage parce que le Seigneur a fait quelque chose de joie dans ton cœur. Il t'a donné ceci. Tu dis, Seigneur, merci. J'étais malade. Il m'a guéri. Quel bonheur n'est pas glorifié, mon Dieu. En fait, tu rends ce témoignage parce que tu as cette allégresse dans ton cœur. Or, ce témoignage, en fait, que tu rends, tu te rends pas compte, mais en fait, ça va fortifier quelqu'un d'autre qui était faible dans la foi. Il dit, oh Dieu l'amour, mais s'il a fait ça à mon frère Jonas, gloire à Dieu, il est aussi capable de faire aussi pour moi. Sa foi est suscitée. Vous le croyez? Amen. Prenons un exemple, toujours biblique. Lorsque Gabriel parla à Marie, vous vous souvenez? Amen. Je ne connais point d'homme, comment ça peut-il faire? Effectivement, parce que depuis que je suis né, je connais seulement qu'il faut que l'homme dise, mais je ne connais pas d'homme. Il dit, tu connais Elisabeth, ta parente? Elle est dans son sixième. Ça a réglé l'affaire. Là, je dis, mais car rien n'est impossible. Elle dit, Alléluia! Que cela me soit fait selon la parole de l'Éternel. Elle a cru, sa foi était stimulée par ce qu'elle a entendu. Que la vieille là, la ménopausée, c'est qu'elle ne veut pas toucher, qu'il ne peut pas avoir la stérile. Elle est dans son sixième. Alors moi, gloire à Dieu. C'est ça la force de la parole et du témoignage de ce que Dieu a fait pour. Vous le dites parce que Dieu a agi. Frères et sœurs, un fils de Dieu ne peut pas être inerte toujours comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pas. Vous voyez votre frère ici, dans mon bureau là-bas. Ils sont tous témoins. Il était là, avec la grippe, tout ça, vraiment pas tenu. Même là, j'ai dit, je le regardais, j'avais mal. J'ai dit, mais on va prier. Si ça ne va pas très bien, tu fais des cantiques, puis frère Zaché va prendre les dessus. Et j'ai dit, ça va mon grand, mais le Seigneur va soutenir. Quand je l'ai vu sauter ici, j'ai dit, mais nous étions avec lui dans mon bureau. J'ai dit, regardez comment il saute comme un veau. Ah ben oui, c'est sûr que certains. Nous remercions Dieu, parce que quand on aime Dieu, il y a quelque chose au-dedans de vous qui ne peut pas vous laisser insensible. Frères et sœurs, on ne doit pas vous supplier. De dire gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Un homme, un fils et une fille de Dieu. Nous l'avons entendu dimanche, non? C'est notre frère Salem. Il a chanté. Et c'était encore comment qu'il a chanté? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, non? Et nous avons dit quoi? Une fleur est toujours une fleur, non? Donc on ne glorifie pas seulement Dieu ici, dans le milieu, seulement ici, partout où nous sommes. Quand je monte dans un tram, quand je m'assieds, je glorifie Dieu, Seigneur. Quand je descends, dis, tu as gardé ce tram. Frère, vous dites, oh, il va quand même arriver. Frère, un tram peut aussi avoir un problème en cours de route. Dans un train, dans un avion. Non, frère, chaque fois qu'on descend, dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que j'étais dans les airs là, il n'y a rien qui me soutenait. Les moteurs peuvent tomber en panne. Mais c'est vrai. C'est ta grâce que je peux quitter un pays et voir un autre et puis retourner encore. Frère, chaque jour dans ta vie à toi, qui pouvait dire que le souffle de vie va te ramener aujourd'hui? Je ne pouvais ne pas être là non plus. Mais ces souffles-là, c'est une. Ne pensez pas que. Frère, demain je te vois. On ne sait jamais. Que tu marches là, et puis tu vas simplement, puis où tu t'assis, paf, le souffle est parti. Comme on n'a pas entendu, il était en train de pouvoir travailler, puis il s'est assis comme ça, et puis parti. Il était bien rentré dans sa chambre, couché comme ça, il n'est plus ressorti. Frère, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu nous accorde la grâce. Alors, ça veut dire que chaque fois que je respire, je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu m'as accordé la grâce d'avoir été dans ta maison. J'ai répandu mon cœur devant toi. Si maintenant je dois rentrer à la maison, je rentrerai en paix. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen.
Ne boussez pas votre poitrine en disant, moi, je suis là, si je regarde cette sœur-là. Frère, tu perds ton temps en regardant la sœur, en la critiquant, parce que ici, je me prépare pour que mon cœur soit... Si je rentre là, je sors là, il veut me prendre, je pars avec les cœurs purs. J'ai été là-bas, j'ai chanté avec mes sœurs. On sait, il n'y a pas de problème, bonheur d'être parmi le Seigneur. Je rentre à la maison, que ton nom soit béni, ce que je te verrai. Mais tu rentres à la maison avec un fardeau. Tu étais ici, assis là, Dieu te parlait, mais tu pensais, oui, cette sœur-là m'avait fait. Hein. Ce frère-là, regarde comment il bouge là-bas, il croit vraiment qu'il est un fils de Dieu, avec tout ce qu'il m'a fait. Mais le Seigneur lui a pardonné. Tu peux pas compter, tu es toujours en train de compter les péchés, mais il a péché ou il a péché, il a mis, Seigneur, je te demande pardon parce que ce que j'avais fait, pardonne-moi, oh Dieu, je suis pas bien aidé. Toi, tu regardes toujours les péchés, mais Dieu regarde les sangs. La personne sort justifiée dans son cœur, toi, tu es toujours avec la boule. Mais là, la mort te surprend, tu pars directement dans les cachots. Bien, c'est là où il y a les liens. Mais bien sûr, mon frère, tu vas aller où? Comme les gens disent, oh, je pars comme ça, et puis je vais voir le Seigneur. Quel Seigneur tu vas voir? Si tu ne sais pas aimer le frère qui est assis ici, de tes yeux que tu vois, comment vas-tu me dire que tu aimes le Seigneur que toi tu ne vois pas? Ce qui te fait aimer celui-ci, c'est parce que tu as aimé le Seigneur. Vous vous souvenez, comme je l'ai toujours eu à pouvoir dire, ne renversez jamais les rôles. D'abord, vous dites, je dois aimer les frères. Non, aime d'abord Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta foi, toute ta pensée, alors tu aimeras ton prochain. Dieu est parfait. Hein? Parce que l'amour de Dieu te donne la possibilité d'aimer quelqu'un. L'ordre est toujours à respecter. Lève-nous, nous allons prier.